Mais celui qui vit à Shalom, qui était Issaouira et qui était aveugle. Et lorsqu'il montait à la synagogue de Rabbi Chaim Pito, il montait comme ça, il montait avec ses mains. Il touchait les escaliers pour monter. Il ne pouvait pas se mettre debout parce qu'il avait peur de tomber. Et Rabbi Chaim Pito, mon grand-père, il descendait des escaliers sans faire exprès. Il lui a marché sur le pied. Et le pauvre monsieur Lévy, il crie « Aïe, 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 aïe !» Et Rabbi Chaim Pito, à la Shalom, qui n'avait pas une très bonne vue, il a dit « Monsieur Lévy, excuse-moi, excuse-moi. » Il lui a dit « Non, je ne t'excuse pas. » Il dit « Comment tu ne m'excuses pas ?» Non, il me dit « Je veux que tu pries pour moi que je commence à voir. Je suis né aveugle. » Il a dit « Monsieur Lévy, tu es né aveugle, tu vas mourir aveugle. » Il lui a dit « Non, non, je suis né aveugle et je veux mourir avec la vue. » Comment ? Ce monsieur, il avait presque 70 ans. Il a dit « Tu sais quoi ? Allez, viens avec moi. » Ils sont partis au cimetière, à la tombe de Rabbi Chaim Pito. Et là-bas, Rabbi Chaim Pito, mon grand-père, il dit à son grand-père, Rabbi Chaim Pito, « Aïba, papa, il ne veut pas me pardonner parce que je vais marcher sur ses pieds. Et le seul moyen pour me pardonner, c'est il faut qu'il reprenne sa vue. Fais l'impossible. » Et ce Chaim Lévy, je l'ai connu, je l'ai vu, et je le connais bien, il voit. Il a commencé à voir. C'est ça, Yitzhak. Ce qui est impossible, il peut devenir possible.